Et donc salut à tous, c'est Dorok et on se retrouve aujourd'hui pour ma troisième chronique sur ma map solo. Comme vous allez voir, j'ai avancé certaines choses. Premièrement, l'aménagement intérieur de la maison est en cours et sur le point de se finir. En premier lieu, le sol de cette maison m'a donné du fil à retordre. J'ai été obligé, à mon grand regret, de teindre certains boutons pour aller plus vite, car je récoltais auparavant les colorants uniquement. Inutile de vous dire que ça prenait pas mal de temps, même si mes ressources d'os étaient et sont toujours infinies. Dans cette maison, vous pouvez aussi constater une magnifique cuisine pour faire à manger pour mes amis qui viennent me dire bonjour. Un salon lecture pour prendre noté avec quelques tableaux de Picasso. Une grande table pour dîner avec sa famille, des bibliothèques pour se cultiver du mieux que nous le pouvons. Et voilà, maintenant passons à la cave. J'ai pu ranger tous mes grands crus et mes champagnes, mes Romane et Conti, mes Saint-Julien, mes Dom Pérignon, mes Château-Latour et mes Saints. Et mes tous mes vins, quoi, en gros. Hein. Je vais me faire plaisir. Inutile de vous le dire. Également à l'étage, j'ai pu me faire ma petite salle de bain. Il était temps, je ne m'étais pas lavé depuis des jours. Mon bureau est en cours d'aménagement, j'attends les bonnes idées venir. Vivement la quatrième chronique, j'ai envie de vous dire. Ma mine s'agrandit et plusieurs nouvelles galeries ont fait leur apparition. Cependant, pas de nouveaux diamants dans le coffre, ce sera pour la prochaine fois. Le bonhomme de neige est toujours là, c'est ça qui est bon. Je me suis fait un chemin de rail pour aller plus vite à mon précieux donjon de squelette décrit dans la précédente chronique. Durant ces derniers jours, j'ai XP du mieux que j'ai pu pour enchanter ma nouvelle épée endurance. Je l'ai enchanté de niveau 18 et je n'ai eu que enchantement ni recul 1. Super. Le jardin derrière est sur le point d'être décoré, vous en saurez plus dans la prochaine chronique. Donc pour celle-ci, ça sera tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez me suivre au quotidien. N'oubliez pas également de mettre j'aime si vous avez aimé cette vidéo. En espérant que cette chronique vous aura plu, je vous dis salut à tous et à très bientôt pour la quatrième chronique. Gros bisous.